Et bonjour internautatrices et internautateurs, nous retrouvons notre campagne de la semaine sur Exarchie. On avait terminé les deux précédents niveaux lors de l'épisode précédent, le premier épisode. Et donc là, on va continuer sur le niveau 3, toujours en jouant l'Égypte. Et donc notre objectif sera d'une part d'éliminer un joueur ennemi et d'autre part de construire quatre merveilles. Pour ça, on a dépensé. On a acheté deux cartes de campagne qui en plus sont directement utilisables dans cet objectif-là. Le premier qui nous permet de construire à très bas coût une merveille et d'autre part de raser une cité ennemie dans le champ de vision. Donc le gros avantage, c'est que raser une cité ennemie, ça permet d'éliminer un joueur ennemi de façon quasi instantanée. Surtout en début de partie, et construire quatre merveilles, on en a déjà une qui sera très rapidement faite. On va essayer ça. Je ne comprends toujours pas ce conseil. C'est juste qu'il y a des grosses unités, peut-être. On a la Russie, on a la Chine, oui. Allez, donc là, l'explorateur, c'est très très bien parce que ça va nous permettre d'avoir très rapidement d'aller pouvoir très rapidement chercher un autre adversaire. Je vais me mettre plutôt ici. Hop, ce qui me permet d'avoir plus rapidement le cheval. Et quand je serai là, ça me débloquera immédiatement plein de cases. Alors, je vais cramer mon guerrier. C'est un peu con. Mais bon. Je préfère garder l'explorateur. Hop. Bim. Ensuite. Bim. Alors, l'exploitation minière, pour faire quoi? J'ai trois. Dans l'immédiat, de toute façon, j'ai pas de mine à construire. Là, j'ai les pyramides, mais que je sais toujours pas utiliser. Je vais faire entrepôt. J'aime toujours l'entrepôt. Je peux acheter deux petites gemmes pour pas cher. Non, je peux pas les acheter. Donc, je vais pas le faire. Ah, voilà l'anglais. Et ah non, le russe. Le russe va mourir. Voilà, le russe est mort. Bim, pif, paf. Voilà. C'est moche, mais tellement efficace. C'est pas son éclaireur qui pourra faire quoi que ce soit. Donc il va sans doute disbander, on va voir. Au pire, lui tape dessus. Pas de pitié. Dessin glorieux, clairement, je vais le garder dans un coin. Ébénisterie me permettrait de faire cela. Là, j'ai les jardins suspendus. Alors, on va faire ça. Je vais en plus une très bonne carte, c'est une très bonne merveille. Donc, je vais prendre l'agriculture que je vais développer. Je vais choisir les jardins suspendus. Et je vais dépenser des seins glorieux pour construire les jardins suspendus pour que dalle. Bim. Et je vais me garder l'ébénisterie pour le prochain tour parce que j'ai une petite scierie à faire ici. Alors. Et voilà les Grecs. Voilà, bim. Ah, ça me l'a pas compté? Ah si. Petit moment de panique. Alors, il n'y a pas de ressources à récolter par là, c'est bien dommage.
Là, il a un guerrier. Je vais éviter d'aller me frotter. Et voilà, l'arabe. On est bien proches les uns des autres, dis donc. Vache. Je vais crier charge pour me construire une scierie. Donc c'est un peu con parce que du coup, c'est un peu con. Je vais me garder pour le prochain tour. Et bah, je vais me faire un colon. Après tout. Ouais, son emplacement là était plutôt sympathique. Donc je vais y aller. Puisqu'il me l'a laissé. Ah, j'aurais pu prendre ça. Ah, voilà. Plein de caisses d'un coup. Tac. Grillon. Ici, il me le recommande. Ah oui, c'est vrai que l'avantage, c'est que... Dès que j'aurais pris ça, ça me... Ouais, c'est une bonne chose. Une ferme. Une ferme par là, par exemple. Hop. Donne-moi des ressources de lusk. Donne-moi un éclaireur. Ouf, il y a du monde. Ah ouais, la vache! La vache! Ouais, cette concurrence de ouf! tac. Je vais griller la force du taureau pour pouvoir hop, améliorer cette ferme. Alors, les pâturages ici. Excellente chose. Toi, tu te construis là. Qu'est-ce que je peux récupérer là? De la pierre. Pourquoi pas? Je peux me faire encore un colon. Vu la taille de la carte, j'ai peut-être pas intérêt à me refaire un autre colon. J'ai plus intérêt à aller... choper. Par contre, il va me falloir assez rapidement d'autres unités là. Il faut que j'aille faire maçonnerie puis métallurgie. Ouais, maçonnerie et métallurgie qui sont après construction, c'est ça? Non, c'est après exploitation minière. Construction. C'est une construction. Ah oui, c'est là. C'est de l'ingénierie. Ouais, mais il faut... je vais aller chercher la pêche. Attends. Ah oui, parce que j'ai une baleine là. Faisons une hutte de pêcheurs. Ça, il me faut impérativement. Hop. Alors, le don d'une île, ce serait bien, mais je peux me le griller peut-être. Continue de piocher des cartes. Équitation, bof. Mobilisation, bof. C'est peut-être ça que je vais griller. Je vais griller mobilisation. Pour faire.
Je vais augmenter ma population à Persépolis, à Héliopolis. Je vais envoyer un éclaireur par là-bas. Je vais me faire un archer ici. Ah merde, j'ai plus. Ah si, je peux encore acheter. Encore acheter de bouffe pour me faire. Que je me fais un autre colon là. Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est pas une connerie? Est-ce que là je vais choper ça tout de suite? Est-ce que je veux me faire un autre colon? Là, j'ai plein de marbre. Là, j'ai de la pierre. Ici, ce serait chaud, parce que quand même, Persépolis est vraiment à côté. Et j'ai pas trop de quoi les attaquer. Je vais donner des sous à la France. Hop, un de croissance en plus, ça fait jamais de mal. La construction qui me donne accès au grenier à grains, c'est bien aussi. Grenier à grains que je vais stocker pour le prochain tour. Et ça, je pourrais presque le griller. Qu'est-ce que je fais de toi? Toi, je peux t'envoyer miner. Tiens, je vais te mettre ici. Comme ça, je peux menacer son colon et récolter ou récolter au prochain tour. Merde. Motherfucker. Alors, aussi. Alors là, je vais te dire, je vais être sans pitié. Je vais être sans pitié. Bim. Grenier à grains. Hop. Vignoble, ouais. Vignoble. Maçonnerie. Nid. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je préfère toujours tuer un colon. C'est toujours plus intéressant. Et un fantassin ici. Toi, tu vas là. Hop. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton petit guerrier là? Bah, tu vas mourir. Hop. Merci d'être venu. Et toi, je vais te raser en bonne et due forme. Parce que quand même, il faudrait peut-être voir à pas trop déconner. Alors, je vais griller le fort. Carte que je n'aime pas. Je vais prendre le port. Ah, il faudrait quand même pas que j'oublie que j'ai une merveille à construire, moi. C'est quand même un peu mon objectif. Je suis déjà tour 7.
un développement qui est carrément bon, mais c'est pas ma priorité non plus. Qu'est-ce que je peux récolter? Je peux récolter du marbre. Acheter du marbre. Acheter de la pierre. J'ai des sous, autant en profiter. Par contre, j'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de cartes. Alors, j'ai plein de trucs de luxe. Donc, on va les dépenser. Hop. J'ai que 6 emplacements, ça fait pas lourd. 1, 2, 3, 4. Hop. 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 Et voilà. Et mes autres cartes, est-ce que j'ai besoin de mon pâturage encore? Non. Dans l'immédiat, non, j'ai plus trop de pâturage à développer là. Donc en fait, je pourrais aussi bien m'en débarrasser. L'éclaireur, j'en ai pas vraiment besoin. Oui. Ah, éventuellement si, pour aller, pourquoi pas, pour aller recruter les. Récupérer des ressources que j'ai pas, ça peut être bien. Ah, bonjour petit guerrier. Alors, une petite série. Hop. Avec du bois que l'on brûle. Toi, bah écoute. Ah, je peux pas l'attaquer, bien. Je peux se déplacer. Ah merde, je peux que faire de l'attaque à distance. Ouais, je peux même pas faire de claim ici. Bien. Merci d'être venu. Ça me fait grand plaisir. Putain, j'ai ma carte mine, mais j'ai rien à miner. Grrr. Alors, il faut que je fasse gaffe qu'il a un marché. Ouais, pas super intéressant. Putain, j'ai trop de population, quoi. C'est ouf. J'ai de la science à acheter. Donne-moi ta science. Hop. Hop. On va aller emmerder les Grecs. Hop. Je vais devoir te défendre des deux côtés, mon ami. Même si tu es plutôt mon ennemi. Là. Quoi, 7 points, ça j'en ai plus besoin, colon j'en ai plus besoin non plus, architecture, grande muraille, il faut quand même des cartes de feu, hop, donne-moi ta pierre toi, on en fait deux.
Salaud de grec. Oh! Je vais garder ma carte de mine, j'en ai vraiment besoin pour quand j'aurai réussi à choper ça. Qu'est-ce que j'ai pas déplacé encore? Bah oui, lui. Je sais pas quoi faire de toi. Je suis au courant que je sais pas quoi faire de toi. On va la récupérer, des ressources de luxe. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Avec lui, la grande muraille, je me la garde de côté aussi. Hop. Je peux développer la métallurgie. Ah. On va continuer avec les pistes. Hop. Il me reste deux trucs à revendre, ce sera les chevaux, puisque j'en produis. Ah, sale idée. Sale idée. Bon, l'avantage, c'est que du coup, il m'a laissé la ville en dessous que je vais enfin pouvoir raser. Je peux pas la raser? Je peux pas les tuer. Oh putain. Oh, me saoule. Sérieux? Allez, on construit la grande muraille. Ici. Hop, ça fait deux merveilles sur quatre, c'est quand même pas terrible. Hein. Par rapport à mes objectifs, c'est clairement pas terrible. Qu'est-ce que je peux griller? Forestier. Forestier. Forestier sur lui. Je vais griller. Ah non, ça je vais le construire. Hop, je vais griller le bois. Écriture. Je peux faire ça. Là, j'ai de la science que je peux acheter. Tac. Temple de Diane. Forge. Avec ta manœuvre, tu peux aller directement ici. Ça va me permettre de le rapatrier à la maison. L'archer. Hop. Là, je sens qu'il y a moins de vouloir. Sert pas grand chose. Le temple de Diane, on se le met ici, la mine aussi. Je peux rien en faire pour l'instant, mais tac. Ouf, par contre j'ai des petits soucis. D'ordre public. Qu'est-ce que je fais de toi du coup? Là, si je fais pied, qu'est-ce que ça apporte? Détruire les améliorations bâtiments. Ben non, je vais pas le détruire, je veux le récupérer, ça. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ah! J'avais oublié que ça attaquait automatiquement. Récupère-moi ce marbre, s'il te plaît. Et c'est fini. Ça, je m'en doutais un peu.
tellement les uns sur les autres. Bon, heureusement, je peux... Je peux enfin aller là. Et raser cette ville au prochain tour. Cueillette, ouais, j'aimerais bien. Ah, si je peux du coup récupérer un petit marbre. Là, je récupère de la pierre. Des joyaux, j'en ai besoin. La bouffe, c'est toujours utile. Alors, je peux faire... J'ai deux merveilles à faire, il me manque une pierre. J'ai plus d'une. Le temple de Diane, allez. Ça, je vais le garder là. Hop. Je vais aller en bas. D'or. Toi, je te tue. Toi, je te tue. Ah oui, c'est bien les catapultes que tu récupères. Tellement pratique. Toi. Je te tue. Hein. T'as qu'à nettoyer ton ferroyer. Toi, j'ai pas grand chose à faire avec toi, mais tu vas quand même aller ici, retourner ici. Et toi, du coup, bah, finalement, je vais le laisser à la maison, histoire qu'il finisse de régène. Oh putain, les persos construits très rapides. Oh, tu me diras, je vais récupérer les pyramides. Je sais pas si ça va me compter. Fais chier. Oh, je déteste. Et voilà, si ça me compte, c'est bon. C'est good. Top. Adieu. Adieu. Hop, route. Là, là, hop. Elle est belle ma route. C'est vraiment le drame en termes de, d'ordre public, mais... Mais c'est pas grave. Allez, rasé. Oui. Burn them all. Je sais pas si ça sert à grand chose que je continue de faire ça, mais je le fais quand même. Hop, allez, fais-moi le coliser ici. J'ai trop de population. Hop. Tac. Hop. Allez, normalement, de toute façon, c'est finito. Combien? 12 tours. Bon, ouais, ça va. Ouais, finalement, en fait, c'était pas mal que les Arabes construisent les pyramides. Bim. Et la prochaine partie, il faudra que je contrôle 80 cases avec une grande carte. Ouais, tandis que là, c'était une carte moyenne, je crois, mais beaucoup de civilisations.
Alors, pour contrôler, bah, il faut que je puisse construire, fonder rapidement une cité. Il faudra. Il me reste 62 points. Si j'en dépense 40, il me reste 20. Le fait quand même de pouvoir se débarrasser d'une. Obtenir toutes les ressources présentes sur le marché, ça c'est sympa, mais c'est une carte que tu es obligé de garder un peu longtemps pour que ce soit vraiment efficace. Bois de chauffage peut être sympa aussi en début de partie, histoire d'accélérer. Vraiment pouvoir cramer une carte gratos à chaque tour. Des cartes mobilisées. Moins 20 points. Plus 3 de population. Je vais prendre ces deux-là. Allez, hop. Pour la dernière partie, mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à proposer des parties multi sur le Discord et à venir discuter du jeu ou d'autres jeux avec nous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!